Grenoble 2e accueille Bordeaux 12e. Les Grenoblois restent sur 2 victoires après 4 nuls sur le même score de 0-0. Mais les deux succès récents ont permis de remonter au classement. Grenoble est toujours invaincu cette saison et se présente donc en confiance avec Bamba, Postolacci et Sbaï titulaire face à des Girondins plus hésitants. Une victoire, un nul, une défaite sur les 3 derniers matchs pour Bordeaux. La première possibilité est pour les visiteurs. Vipotnik en action, mais ça ne passe pas. Davitashvili et Lys sont également titulaires pour essayer de marquer. La relance organisée par Stracek. Stracek pousse la balle et rate complètement son geste. L'incroyable loupé du gardien de but des Girondins de Bordeaux, sanctionné par Virgilio Postolacci. 1-0 pour Grenoble au quart d'heure de jeu. Et enfin, le premier but de la saison et même le premier but en Ligue 2 BKT pour Virgilio Postolacci. Le joueur moldave formé au Paris Saint-Germain est une recrue qui attendait depuis le début de la saison ce premier but. Il exploite parfaitement l'erreur technique terrible du gardien de but de Bordeaux. Stracek se rate totalement. Postolacci en profite et Grenoble mène donc assez rapidement au score. Des Grenoblois qui exploitent des espaces pour des contre-attaques qui vont vite de l'avant pour ce tir. Stracek sauve. La finition n'est pas au rendez-vous pour le 2-0. La bonne tentative de Bamba. Le coup franc de Bordeaux pour répondre. Et Brice Maubleu réussit la parade qu'il faut pour maintenir le score en l'état. Grenoble continue à avoir de bonnes situations. Stracek repousse le danger. Le match reste assez ouvert. Grenoble est mieux parti, mais Bordeaux peut toujours revenir. Notamment sur ce type d'action. Le centre. Maubleu repousse comme il peut. Une deuxième chance peut-être. Le poteau. Bordeaux pas récompensé de ses efforts et Grenoble mène 1-0 à la pause. Les Girondins pensent pouvoir revenir en seconde période. Mais Grenoble a quelques idées derrière la tête. Joseph remplace Sbaï dès le retour du vestiaire. Une possibilité immédiate pour les Grenoblois avec Lenny Joseph, le nouvel entrant. Stracek fait ce qu'il peut pour maintenir le score en l'état. Et Bordeaux peut toujours égaliser. Notamment sur cette action, la frappe et la parade de Brice Maubleu. Une bonne tentative de Davitashvili, mais ça ne suffit toujours pas. Le chronomètre tourne en faveur des Grenoblois. On arrive dans le temps additionnel de la partie. Bordeaux joue très haut, il y a d'énormes espaces à exploiter. C'est le cas sur cette action, avec le ballon mal repoussé par les défenseurs. Et c'est Couturé marque le but du 2-0. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Le joueur gambien offre la victoire définitive à Grenoble. Les Girondins n'ont pas pu se dégager sur cette action. Ballon repoussé plein axe. Touré surgit. Il marque le but de la gagne dans le temps additionnel de la partie. Bordeaux a manqué d'efficacité. Tout le contraire des Grenoblois. Grenoble s'impose 2-0 contre Bordeaux.